Non mais c'est trop marrant, quand j'étais en BTS, je rêvais de signer des autographes, tu te rappelles? J'en signais pour vous. Je vous en signais pour vous à l'école. Eh ben, celle-là, elle retombe en enfance, hein. Hein? Mais ma mère qui danse avec toutes mes copines, mais je suis mort, putain, mais c'est hilarant. Shérif Alouna, toujours en soirée avec nous, t'aimes pas ça? Qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne? Elle est couchée sur mes sacs à cadeaux derrière. C'est pas croyable? Si belle! Qu'est-ce qu'elle est couchée sur mon muguet là? Qu'est-ce qu'elle fabrique sur mes cadeaux de femme? En tout cas, elle a été sage, hein, cette petite chienne, hein, pendant la soirée. Oh, on l'a pas entendue, elle dormait, elle était avec nous. Hein, dommage qu'elle ait pas vu le spectacle. Non. Alors, si belle, ça c'est un cadeau de Jerem Starlet après mon spectacle? Elle a peur, elle se demande ce que c'est. Oui, elle se demande. Wow. Elle a peur. Mais regardez comme elle en a peur, mais c'est trop marrant. Si belle. Elle en a peur. Bon bah, on dort ensemble. Bats-tu les puces. On est ensemble. Allez, viens. Trop mimes. Qu'est-ce qu'elle est où la tête? Ah oui. C'est quoi cette oreille qui bouge? Non mais alors elle, regardez là quoi. C'est quelque chose hein, comme elle dort. Bah, je peux vous dire qu'elle mène la grande vie. Hein. À moi. Elle est restée collée à moi toute la nuit, cette chienne. Et de retour. Alors, Cybèle, encore dans mon lit? Nous allons ouvrir les cadeaux, Cybèle, tous les sacs qu'il y a eu hier. Oui. Bon, bah c'est parti les puces, je suis au salon en train de... je vais commencer l'ouverture de vos cadeaux. Comme d'habitude, j'ouvre tout en direct. Alors on commence avec un joli bouquet de muguet et des jolies fleurs. Vous savez que le 1er mai, c'est la fête du muguet. Mais les verres à Aperol Spritz, oh my god, ils sont trop beaux. Iconic Spritz. Et j'aime trop les petites touillettes, là, regardez, en verre soufflé. Ils sont super mimes. Écoutez, vous savez que je suis très surpris. Regardez la qualité de la chemise. Elle sent incroyablement bon. Et voyez ce que j'aime par rapport à toutes les autres bougies bijoux, c'est que dedans, vous avez la pince directement pour récupérer le bijou. Franchement, super quali cette marque. D'ailleurs, il n'y a pas de marque, donc je sais. Bon, bah, elle est très jolie, cette petite chemise. Regardez, en plus, elle me va trop bien, donc trop content. Bon, je mettrais plutôt, je pense, en dessous un t-shirt blanc, ou voilà, parce que le bleu, ça va pas forcément. Mais franchement, elle est hyper agréable. Donc, je suis ravi. Merci beaucoup et bravo pour cette marque. Regarde. Une Jerem Starlet t'a offert? Ah, ça va te faire un nouveau jouet. Ah bah t'es contente toi, hein? Chloé. Regardez Chloé et Cybèle sont copines. Ça y est, elles se sont bien faites l'une à l'autre. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est un vrai... Bah écoutez, ici, les pies, elles sont voleuses, elles bouffent... Oh là là, elles bouffent la viande du... Les puces, je voulais vous reparler de ce patch que vous apercevez donc en bas de mon téléphone, le patch FaceUp, donc un patch que j'ai installé sur mon téléphone, mais aussi sur celui de ma maman. Je vous en parle très très souvent du patch FaceUp. Sachez qu'avec le code JEREM20, vous avez moins 20% supplémentaire pour l'achat donc d'un patch FaceUp. Faut savoir qu'il y a déjà 20% de remise sur le site. Bien sûr, mes 20% que je vous propose sont cumulables.
Aujourd'hui, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on utilise nos téléphones pour absolument tout. À l'époque, on utilisait au tout début de l'arrivée des téléphones, nos téléphones pour téléphoner. Mais aujourd'hui, on s'en sert comme réveil, on s'en sert pour écouter de la musique, on s'en sert comme GPS, on s'en sert pour écouter la radio, on s'en sert même parfois pour regarder la télé. Et c'est vrai que par rapport aux générations d'avant, nous sommes beaucoup plus exposés aux ondes émises par les téléphones, puisque, par exemple, les générations d'avant avaient des appareils, des objets spécifiques pour regarder la télé, pour écouter la radio, pour servir d'un GPS. Enfin, c'était plein d'objets différents. Aujourd'hui, on fait tout avec notre téléphone et forcément, on multiplie l'exposition aux ondes. Je vous le dis souvent, mais les ondes sont responsables de plein de choses. Picotement dans les doigts, surchauffe du téléphone, acouphènes, problèmes de fertilité, plein de problèmes. Les migraines, si vous êtes salité, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le renvoyer, vous faire rembourser totalement. C'est une mesure qu'a décidé de mettre en place PhaseUp. PhaseUp aujourd'hui équipe l'armée de terre, de nombreuses mutuelles, la sécurité sociale est disponible en pharmacie. Donc il est vraiment hyper important de protéger notre organisme face à toutes ces ondes qu'on subit même la nuit, puisqu'un téléphone en mode avion continue à émettre des ondes. Voilà, moins de l'éteindre totalement, on y est en permanence exposé. Pensez vraiment les puces à équiper aussi les téléphones de vos enfants. Je partage régulièrement avec vous des retours de ma communauté. Je n'ai que des retours positifs, des tests qui ont été réalisés dans des laboratoires indépendants avec et sans patch PhaseUp. Vous allez voir à quel point ça réduit la quantité d'ondes absorbées par notre organisme. Hop, je vous le présente, on vous le représente. Il est absolument magique. C'est un circuit en argent ultraconducteur qui est une antenne passive pour smartphone. Elle réduit de 96% les émissions d'ondes vers la tête et vers le corps. Non mais alors elle est trop marrante là dans sa dans sa niche là. Alors, Chloé. Alors là, elle rêve. Qu'est-ce qu'elle a? Oh! Elle rêve? Elle est en plein rêve ou quoi? Attendez, je rêve là où elle a piqué dans mes sacs à cadeaux une sucette cœur offerte? Non mais c'est... Pause! Non. Ah non mais je suis mort! Oui, elle me monte dessus maintenant comme pour me faire un câlin et s'excuser. Enfin, c'est un peu tard tout de même après avoir volé dans mes sacs. Ah, maintenant c'est la peluche. Mais alors, Chloé, je sais jamais où est la tête, où est la queue. Attends. Ah oui, elle est là. Je sais jamais. Oh là là, mais c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Tu me donnais le masque renard. J'ai offert au One Man Show à Lyon. Donc moi j'ai mis le renard. Et puis toi tu as mis le masque cochon. On dirait un vrai porc. Oh, merci. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Oh ouais, non, t'es abominable. Ah bah, moi, je suis pire que toi. Hein. Ah bah oui, putain, le masque cochon. Oh là. On dirait que t'as un problème de peau, enfin. Oh là là, Pierre, les yeux, ils sont tous... Regarde. Oh là là, mon... Alors, si belle. Alors. Le cochon. Est-ce que... Ah merde. Non, mais... Non, on a même pas peur, moi, boyo. Bah... bah si, quand même. Mais c'est un petit chien. Oh, punaise. Elle va promener sa chienne, là, à cette heure-là. Là, je vais pas me faire agresser. Ah bah non, là, tu fais peur à n'importe quel détraqué avec une tronche pareille, tu m'étonnes. C'est pas croyable. On dirait... un hémorroïde. Oh. Quelle... C'est horrible. C'est abominable, ça me démoralise de me voir comme ça. Bah tu m'étonnes, oui, je veux bien te croire. Oh, la tronche. Quelle horreur. On dirait une truie. Oh, bah, carrément, oui. Qu'est-ce que c'est du truc? Quoi? Et avec moi. Mais c'est horrible. C'est quoi ce délire? Bon, putain. Alors, attends. Putain, mais il faut le remettre, voilà. Tu vois bien que la cuit, lui. La tronche. L'autre, elle cuit. Ah, non, mais attends, mais le chien. Ah, tiens, ma chérie, ton poulet. Quelle heure. Ah bah, ça, c'est sûr. Elle a senti que j'avais ramené les croquettes Jaffy. Regardez.
Ah bah oui, bah elle est... Ah mais ça, fallait s'en douter. Ouh là 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 là, je sens que Cybèle a compris, hein, que sa commande Jaffy était arrivée, n'est-ce pas? Alors, ma petite Cybèle, je ne suis pas venue les mains vides. Ah, oh, j'adore! Alors Cybèle, elle, c'est une grande fan. Une grande fan des jouets Jaffy. Donc là, je lui ai apporté plein de choses. Je vais vous montrer. Il y a même Chloé. Chloé, alors toi aussi. Par toutes les petites friandises Jaffy. Hein, Chloé? Regarde, t'as même un petit jouet pour chat, Clo-Clo. Tu vois? Regardez, c'est trop marrant, hein. Ah, mais les animaux, ils sont, comment dire, ces petites peluches, ces petits cadeaux, là, pour animaux, c'est tellement bien. Clo-Clo-Clo-Clo. Non, mais, alors, Cybèle, on se calme. Oui, tu vas avoir tes petites gâteries. Alors, les puces, je vais vous reparler de mon offre Jaffy. Comme vous pouvez le constater, Jaffy fait donc de la nourriture. Là, vous voyez, vous avez le paquet de croquettes pour chat et là, le paquet de croquettes pour chien. Le concept est très simple. Vous ajoutez sur le paquet le nom de votre animal et vous personnalisez sa recette sur le site. Alors du coup, les puces, avec le code JeremStar, vous allez pouvoir recevoir 3 peluches, voilà, pour vos animaux, donc 3 petites surprises, que ce soit donc pour chien ou pour chat. Vous allez également recevoir un paquet de friandises, pareil, que ce soit pour votre chien ou pour votre chat, puisque maintenant, Jaffy fait aussi, on se calme, Cybèle fait aussi les friandises pour chat. Vous avez moins 50% sur votre... Je vous rappelle que Jaffy est une marque engagée qui collabore avec la PETA et qui certifie qu'il n'y a pas eu de test invasif sur les animaux. C'est une qualité française puisque vous pouvez absolument tracer toutes les étapes de la fabrication des croquettes mais également de tous les accessoires. Ce sont des ingrédients naturels, sans gluten et sans céréales avec un fort taux de protéines. L'engagement Jaffy, c'est aussi un engagement sans colorants, sans conservateurs chimiques, sans sucre ajouté et sans OGM. Chloé qui est aussi très intriguée. Alors, ma petite Chloé, ça, c'est pas pour les chats, ce paquet. Ça, c'est pour les chiens. Le tien, il est derrière. C'est celui-ci. Oh là là là, vous êtes gourmand, vous, hein. Ouh là 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 là. Des gobelets d'osor vous sont également livrés, les puces, hein, dans votre colis pour pouvoir donc respecter parfaitement pour votre chien ou pour votre chat les doses qui vous sont recommandées donc dans le menu adapté. Eh non, mais ces animaux, ils sont trop, hein. Ça va, ils sont bien élevés, elles ne volent pas. Donc vous voyez, vous recevez ensuite le récap donc de votre recette que vous avez personnalisée sur le site avec toutes les quantités, mais également toute la compo bien détaillée. Les animaux en raffolent, voyez, ils sont tous en train de me faire de l'œil. Oui, vous allez avoir vos petites surprises. Oui, 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 vos petits, voyez, c'est trop marrant parce que dans les, avec le code JRM, si vous avez un chien, vous avez des peluches trop mimes. S'il y en a même certaines, comme je vous ai montré, qui font du bruit des peluches. Enfin, c'est trop cool. Depuis peu de temps, Jaffy a sorti en plus les torsades pour les chiens. Oui, je suis là. Je sais que tu entends les. Oh, mais elle me prend tout. C'est pas vrai. Tu préfères l'étoile maintenant? Oui, c'est le tien crayon si tu veux. Tiens, hop. Et bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que les... Non, ça, c'est pour le chat. Ah non, non, ça, par contre, tu peux pas tout avoir. Hein. Non, 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 non. C'est pas vrai, hein. Je tourne les yeux 5 minutes. Non, elle a encore été volée. Le choisir Jaffy, c'est rendre son animal heureux. Oui, 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 oui. Et complètement accro, hein. À toutes ces petites surprises et ces petits cadeaux que vous pouvez, ah, tu me fais mal, que vous pouvez recevoir avec le code, devenir aussi fou que les miens. Voilà, les puces. Je vous rappelle que Jaffy, donc, je vous le redis, mais est une marque vraiment engagée qui,